What's up, my boys and girls? C'est Shane. On est parti aujourd'hui pour l'acte 2 d'Hello Labo. On a terminé l'acte 1 il y a quelques jours et on a pu débloquer la suite de l'histoire. Vous étiez pas mal à l'attendre, hein? On va pas se mentir, j'ai vu tous vos commentaires. Le premier épisode vous a énormément plu. La vidéo a fait top 2 tendance. Pour un let's play sur la chaîne, je pouvais vraiment pas m'attendre mieux. Alors on s'en souvient, on s'était arrêté la dernière fois où le voisin nous avait attrapés, nous a enfermés chez lui et là on vient de se réveiller dans une sorte de bunker. Et je pense qu'on va devoir une nouvelle fois s'en sortir et cette fois-ci s'enfuir. Je compte sur vous encore pour tout exploser les amis, si vous voulez avoir la suite de l'histoire. Vous avez entendu? J'ai pas envie de voir derrière. Ok, non je reste là, je suis bien ici, je suis bien de ouf. Oh c'est quoi ça? C'est un toutou. C'est ultra creepy, ma boy. Je peux rentrer ici. Oh, let's go. On a l'air d'être sur la bonne voie. Oh. Enfin, on va pouvoir voir l'extérieur. Et si c'est aussi simple que ça, le jeu, c'est trop bien. What? Mes bras? Mes mains? Qu'est-ce qui m'est arrivé? What? J'ai l'impression que ça fait très longtemps que je suis enfermé dedans. Oh, on s'en souvient de cet endroit! Qu'est-ce qui s'est passé à sa maison? Qu'est-ce qui s'est passé au rebord aussi? Le gars, il a construit une forteresse pour pas que je m'enfuis? Mais c'est passé combien de temps depuis? On dirait qu'il m'a enfermé dans son bunker pendant plusieurs années. Oh là là, c'est quoi là? J'ai l'impression que il y a une tombe ici. Il a enterré quelqu'un. Oh là là, bon, on va faire le tour. Alors déjà, pour monter ça, ça va être très compliqué. Hein. Je me suis renseigné, on a différents objectifs. Et notre but principal, c'est de s'enfuir de cette prison. Et le voisin est à l'intérieur de la maison, il peut encore m'attraper. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça, je peux pas tourner, j'ai l'impression. Peut-être que je prends une petite hauteur. On va prendre un petit carton, une petite cagette. En tout cas, je suis content de vous retrouver aujourd'hui, les amis. J'avais trop hâte de faire le let's play numéro 2. Oh putain, il est là! Oh là là, il est déjà là! Comment je fais pour qu'il arrête de me suivre? Ok, j'ai peut-être une idée. Parce qu'en fait, là, le problème, c'est que si je cours à l'infini. Oh, let's go! Ah, il monte! Je crois que je suis baisé, les gars. Ah! Il me voit pas, il est invisible. Non mais tu me vois pas. Chill. Eh non, tu peux pas, t'es bloqué, nanani nounou. Ah, je crois que c'est bon. Oh, là, il y a un trampoline. Ah, mais il y a une barrière devant. Faudrait que j'arrive à péter la barrière. Avec le trampoline, peut-être que je vais pouvoir m'enfuir. Oh, il va pas encore me suivre, hein. Il y en a marre, hein. Tiens, prends-toi la balle. Ça a fonctionné. On va rentrer. By the way, énorme dédicace à ces 5 dernières personnes qui viennent de s'abonner à la chaîne. Merci à vous les refs, ça fait grave plaisir. Tu veux passer dans la prochaine vidéo à avoir ta propre dédicace? Abonne-toi en activant la cloche, on fait une vidéo par jour. Ok, alors si je me fais prendre, ok, je réapparais ici. Bon, ça va, tranquillou. Oh, il va faire nuit? Ah, il peut faire nuit dans le jeu? Quoi? Oh, c'est quoi ça? Intéressant. Je pense qu'on va devoir commencer à rentrer les amis. Putain, y a double caméra. Elle amène piège ici. Oh merde. Oh, il s'est pris le piège. C'est fermé ici. Putain, il est chaud. On va commencer à casser des vitres, j'en ai marre. Peut-être rentrer par là. Oh, première fois, il n'entend pas. Oh merde, il est là, ça veut dire. Bah, il est quand même là. Que chill, mon gars, chill. Wesh, il est bugué. Eh, il est bugué. Prends. Il est bugué. Ça, on connaît, hein. Je suis sûr que ça va faire ça. Oh, let's go, nice. On va pouvoir monter en hauteur. Voir un peu qu'est-ce qui se passe. Oh. Ah ouais, il a construit des trucs. Il y a une cheminée et tout. Il y a plein de tableaux. Peut-être qu'il y a une information sur ça, soit sous un tableau. Pas que j'ai peur, ok, les amis, on n'a pas peur, hein. On va réussir à résoudre ce mystère. Vous allez voir qu'on va s'en sortir. Je peux même prendre les livres. Attends. Il y a un requin dans l'eau. Attends, quoi? Il y a un requin dans l'eau. Et là, il y a un robinet orange. Si je vais dans l'eau, il se passe quoi? Oh non, j'ai pas envie. C'est de sûr, c'est encore un cauchemar. Oh là 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 là. Oh, j'ai peur. Bonjour. J'ai trop peur, sa mère. Je me pisse dessus. Au revoir. Est-ce que je suis là? Oh.
J'entends des rires. J'entends une maman. Oh là là, tout est inversé. C'est trop bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Vous en faites pas. Ok, on va s'en sortir. On aurait l'impression que c'était nous qui avions fait tomber la fille. C'est quoi cette histoire de famille de malade? What the heck? Oh, une lampe torche. Oh, let's go. Mais j'ai pas l'impression que ce soit là, hein. Oh, mais là, derrière. Ah, je peux pas l'enlever. Regardez la cave où je pouvais descendre, il y avait un fauteuil devant. Oh, là-haut. J'ai pas vu. Je pense que ça va permettre que, où il y a le requin, il y ait plus d'eau, on va pouvoir passer. Donc là, j'en ai fait deux. Intéressant. On va ressortir. Oh merde, j'ai pris le... Oh merde. Tranquille, tranquille. Là, il y a un espace rouge ici. Ah, là, il me faut un ustensile pour pouvoir tourner ça. Oh, j'ai trouvé, c'est là. C'est là le truc que je dois tourner. Je l'ai pas fait, lui. Ok. En plus, je peux y passer. Hop, si je monte là-haut. Eh, mais il est bloqué encore sur son propre piège. Allez, on passe vite. Et... Ok. Est-ce qu'on va entendre retourner voir le requin? Le problème de retourner voir le requin, c'est que... La personne est devant. Ça va, frérot? Allez, je passe. Je suis rentré en lui. Bon, écoute, c'est pas grave. Au moins, il fait jour. Mais j'ai l'impression qu'il y a une nouveauté à ma droite. Ah, ça a augmenté la pression et ça a fait tomber ça. Mince, il arrive. Monte vite, monte vite, monte. Saute. Saute. Ok. Il y avait pas un truc à faire ici? Si, si, un truc à faire, mais il monte. Mince. Pas grave, on va passer ici. Là, il y a un robinet. Ok, il faut que j'arrive à passer. Hop. Ah, mince. C'est trop. Je pose un truc ici, un carton. Pour que j'arrive à passer derrière. Ah mais si, je peux déjà en faire un. Wop. Nice. Est-ce que je peux le reprendre? Appelez ça. Let's go. Je commence un petit peu à apprendre en rapport au premier épisode. On espère quand même terminer l'acte 2 dans cette vidéo. Ah, attention. Ah, toujours pas. Ah, il me jette des tomates encore. Et là, on le voit monter. C'est pas grave, vas-y, monte. Voilà, voilà. Allez, je descends. Et on va pouvoir mettre le tuyau ici tant qu'il est pas là. On va le mettre là. Et on va tourner. On va pouvoir le reprendre. Ça, c'est sûr, c'est pour débloquer le requin en haut. Je pense que l'acte 2, ça va être l'aspect vraiment de pouvoir s'en sortir et pouvoir s'enfuir. Et si vous voulez l'acte 3, les amis, explosez-moi tout. En ce moment, je lis énormément vos commentaires sous cette série. J'ai l'impression que, en ayant créé en fait cet aspect de gameplay, de let's play, il y a une autre ambiance sur les vidéos. Et je kiffe l'interaction qu'on a entre vous et moi. Merci les gars pour tout votre soutien en ce moment. Hop là, allez, on va jeter ça là. Merde. Ok. Hop là. Hop là. Alors, est-ce que si je prends ça, je le pose là? S'il te plaît, le tuyau. S'il te plaît. Oh non. Non, j'ai réussi. Non. T'as pas tiré. J'ai réussi. Oh putain de merde. Il m'a aspiré, j'ai perdu l'équilibre. Non. Non, merde. Oh fuck. Cassé encore un lit pour enfant. Mais je crois que j'ai commencé à comprendre ce qui s'est passé. Personne est morte. J'ai l'impression de comprendre, c'est qu'il a perdu sa femme, mais il n'a pas perdu sa femme. J'ai l'impression qu'il a perdu aussi un de ses enfants. Peut-être c'est avec tout ce qui lui est arrivé qu'il est comme ça. Pourquoi il voudrait m'enfermer moi? Qu'est-ce que j'ai fait dans l'histoire? Il faut pas oublier que le voisin s'adapte en fonction de ton gameplay. Si t'es souvent dans un endroit, ben frérot, il va être souvent. C'est ça qui est compliqué. C'est que c'est un PNJ intelligent. Ok, let's go. Let's go! Là, on l'a fait 3 fois, on est d'accord. On va aller voir en haut. Y'a plus l'eau! Y'a plus l'eau! L'eau y'a plus! Et si je mets ça? Et je tourne? Ok, ok, ok! Merde. Attends, mais qu'est-ce que j'attends comme connerie? C'est moi ou je suis con? Non, mais attends. J'ai remis l'eau? Merde. Il y a l'eau, j'ai envie de mourir. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que c'est game over. Bon, les amis, j'ai dû relancer une game. J'ai tout refait. Ok. J'ai pas mis le guidon sur ce robinet. On peut enfin passer et aller à la porte là-bas. Qu'est-ce qu'on a là? On a une pelle.
Ok. Et c'est ça alors le requin. Ah ouais, punaise, c'est un requin avec un piège. Mais c'est dangereux quand même, hein, ce qu'il fait. Ah, je peux même prendre le requin moi. Je vais me venger. Voilà, ça t'apprendra à plus avoir d'eau. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Oh, il y a une clé. Ok. Intéressant, je vais la prendre. On va ouvrir. Ah ok, donc ça nous permettait de rentrer ici. Donc on est vraiment dans un espace où il voulait pas qu'on aille. Oh, ça me rappelle un truc ça. Je fasse attention. Wop, wop, wop. Oh. Intéressant, je suis retombé dans ma chambre. Donc on reconnaît hein, le sommier qui manque. Donc ce que j'ai l'impression, c'est que il y a un frère et une sœur avec le père et la mère. La mère a eu un accident et est morte. J'ai l'impression qu'il y a la sœur aussi qui est morte. Et moi je suis le voisin. Je suis pas le frère. Est-ce que je peux ouvrir ça avec la clé? Non, j'ai l'impression qu'il faut une clé rose. Mais la pelle, elle peut servir à quelque chose, la pelle, hein. Est-ce que je peux déterrer ça? Attends. Je crois que ça fonctionne. Oh merde, les gars, on est en train de déterrer un mort. Oh putain, il arrive. Attendez de le semer par ici. Qu'est-ce qu'il y a dans cette tombeau? Alors, dans ce tombeau, il peut soit y avoir la mère ou soit la fille. C'est bon, il est plus là. Oh, oh, let's go. Ok. Alors, on a une clé rose. Ok, tranquille. C'est ça. Let's go! J'ai l'impression que c'est un plan de la maison. Ah, ça me sert de ouf les refs, hein. Arrête, je peux faire ça? Je peux l'allumer ou pas la machine? Non. Je crois que je vais devoir enlever cette chaise, hein. Oh là 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 là, j'ai peur. Oh! La machine! Qu'est-ce que j'ai allumé là? Je sais pas. Je crois qu'il est très proche de moi en plus. Oh! Oh, écoutez ce qu'elle dit la radio. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'une chaîne pour un maximum de contenu en activant la cloche car il fait une vidéo par jour. Ok, ah, c'est cool. Trop bien. Oh, il y a une machine là. Oh, j'ai besoin de la roue. On va la reprendre et je peux... Ça servait à quoi je fasse ça? On m'explique. Je sais pas où je suis. Je suis dans sa chambre! Merde! Ok, vite, prends la clé. Ok, on ouvre ça. Où est-ce qu'on est là? On est à l'entrée? Ok, faut que j'analyse tout là. Faut que je loupe rien du tout, aucune information. Une lampe torche, ça qu'elle va me servir. On va aller dans sa chambre, peut-être qu'il y a un truc. Non, je crois qu'il est là! Non! On se cache, sous le derrière le lit. Il me trappera pas. J'ai envie de lui jeter ça dans la tête. Hé, hey, tu m'as loupé! Oh merde! Merde! Je vois rien! Ça a sonné! Ça a sonné! Oh mon dieu. Ouais. J'atteins cette porte là. Oh! On l'a gardé? Yes, on l'a gardé. Qu'est-ce que c'est cet endroit? Des sortes de radiateurs? Hop. Oh my god! Oh my god! Je vais mourir si je bouge pas. Non, c'est bon. Let's go. Ok. Oh là là, où est-ce qu'on est? On est dans la petite cabane. Oh, j'ai peut-être pouvoir m'en sortir. Mais c'est quoi ce bordel? J'ai une clé rouge de la maison. On avait, oh, vous vous souvenez le dernier épisode? On avait eu le clé rouge de la voiture. Attends, mais elle me sert à quoi la clé rouge? Je sais! Il doit avoir une serrure rouge pour quitter la forteresse. Je redescends tout ça. Ah, peut-être pour ouvrir le trampoline? Oh non. Regardez, la serrure, elle est là. Me dis pas qu'on va pouvoir s'enfuir. Vous êtes prêts? Allez, on y croit les refs. Oh! Au revoir, cher voisin. Tiens, je te jette la clé. Yes! 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 Bon, j'ai vraiment l'impression qu'il s'est passé beaucoup de temps depuis qu'il m'enfermait. Mes habits sont déchirés. C'est l'acte 3. On arrête là, stop, stop, stop. Bon les amis, quelle histoire? On en apprend un petit peu, mais ça a l'air d'être très très sombre. Explosez tout pour l'acte 3. Active bien la cloche pour rien louper. On n'oublie pas, code créateur une chaîne Optique Fortnite. Et tu peux juste cliquer ici si tu vois une dernière vidéo. C'est une masterclass. Ciao bye. C'est merde.